Eh bien, nous allons proposer à tous les conseils d'école, à la rentrée prochaine, de se prononcer. Partout, il y aura l'unanimité pour positionner un policier municipal à l'intérieur des écoles après cette expérimentation qui a été extrêmement positive et appréciée. Nous le ferons. Partout où il n'y aura pas l'unanimité, nous ne le ferons pas. Je ne veux pas imposer, je veux proposer. Un succès, cette expérimentation, pourquoi ? Eh bien, les directeurs d'école, des trois écoles dans lesquelles nous avons fait cette expérimentation, un en zone REP, un en zone collinaire, un en cœur de ville, ont tous témoigné au nom de la communauté scolaire et dans le cadre de réunions où l'ensemble des partenaires étaient réunis, que ça avait été un succès dans la relation avec les enseignants, avec les personnels d'encadrement, avec les personnels d'entretien et puis avec les enfants qui eux-mêmes ont tissé une relation presque affective avec le policier qui en réalité est resté très discret mais qui partout a fait des diagnostics, des expertises, à combler ici ou là des failles et des faiblesses dans le dispositif de protection de la communauté scolaire à l'intérieur de l'école.